AEFE vous présente les trophées des Français de l'étranger. Armé de son épée, Mathieu Palu rêve d'une sélection pour les Jeux Olympiques. Dans ce club londonien, il s'entraîne avec de jeunes espoirs du monde entier. L'escrime, une école de rigueur qui a forgé son caractère et ses ambitions. On pratique du sport en compétition, on a un but précis en tête. Et c'est ce que je pense que j'ai le plus compris du coup dans ma vie de tous les jours, parce que quand on a un but en tête, c'est pas suffisant d'avoir un rêve, il faut travailler chaque jour pour aller au bout de ce rêve. Cet étudiant passe un entretien pour faire du babysitting avec l'un des plus jeunes patrons français. Mathieu avait 16 ans lorsqu'il a créé Moggy avec ses amis, ici même au lycée français Winston Churchill. Il y a 2 ans, Mathieu il nous parlait de son projet de plateforme de babysitting, et nous on le regardait un peu en rigolant, mais au final de le voir comme ça 2 ans après, ça marche tellement bien sa plateforme, c'est assez incroyable. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on en arrive là aujourd'hui. Genre, je me disais ce serait un petit passe-temps pendant l'été peut-être, je me suis dit à la fin du lycée peut-être, enfin il y aura plus le temps avec l'université, mais du coup qu'il en soit arrivé là, c'est vraiment fou. L'objectif est d'offrir cette plateforme l'an prochain à travers l'Europe au sein des écoles françaises. Pourquoi ça a bien marché? Parce que justement le concept était clair. On reste sur une idée un peu marketing, mais aussi sur nos valeurs. On veut proposer un service aux Français, à la communauté française, parce que c'est un service qui n'existe pas. Un service qui n'existait pas jusqu'à la création de Moggy. Les anciens profs de Mathieu sont fiers d'avoir contribué à cette réussite. Il était extrêmement intéressé par les sciences et je sais que du coup il adore ce qu'il fait maintenant. Donc j'ai un très très bon souvenir de lui. Quelqu'un qui est très organisé et surtout qui a beaucoup de motivation et d'énergie. Escrimeur, futur ingénieur, Mathieu Palu commence à peine à faire entendre sa voix. AEFE vous a présenté les trophées des Français de l'étranger.